Salut c'est Pierre, dans cette vidéo je vais vous montrer à quoi ressemblent les questions à l'examen du OneSet 2 via 5 exemples que je vais vous montrer juste après. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de présentation sur le OneSet, je vous laisse la regarder via le lien qui va s'afficher en haut à droite de votre écran. Donc l'examen, pour l'avoir, il va falloir avoir au minimum 55% de bonnes réponses avec au total... 50 questions à répondre. Donc, on va prendre le premier exemple. Méthode CAP classique, c'est une méthode de vin effervescent venant de l'Australie, l'Espagne, l'Allemagne ou l'Afrique du Sud. Donc, l'Australie, il y a des vins effervescents qui sont produits dans le sud, sur l'île de Tasmanie, parce que le climat est frais et là-bas, ça va être une méthode par transfert pour la plupart. Donc, on va éliminer l'Australie parce que euh, méthode cap classique c'est une méthode traditionnelle. L'Espagne, c'est une méthode traditionnelle, mais ils vont produire du cava, donc on élimine. L'Allemagne, c'est une méthode par cuve close. Ils vont produire le zect. Donc on élimine aussi. Et il va nous rester d'office l'Afrique du Sud, donc qui produisent du vin effervescent en méthode traditionnelle, avec un cahier des charges à peu près comme le crément, avec un, un vieillissement de 9 mois minimum. Donc, c'est bien l'Afrique du Sud. Donc, pour retenir rapidement, si on ne s'en rappelle plus, Cap classique, Cap, vous pensez au Cap occidental. Deuxième question. Au fur et à mesure que le raisin mûrit, 1. Le taux de sucre augmente. 2. Le niveau d'acidité tombe. 3. Les raisins gonflent avec l'eau. 4. Les saveurs sont atténuées. Donc, première solution, tout ce qui est cité. Deuxième, la 2, deux, la 3 et la 4 après la 1, la 2 et la 3 et pour finir la 2 et la 3. Alors lorsque le raisin mûrit bien évidemment après la véraison, c'est la maturation. Donc le taux de sucre va augmenter et le taux d'acidité va tomber. Donc le viticulteur ou le vigneron va choisir quand il va récolter ces raisins, en fonction de ces indices, pour faire ensuite ces vinifications en fonction eh ben, de euh, des produits qu'il veut créer. Donc les raisins vont gonfler aussi avec l'eau, mais les saveurs euh, ne vont pas s'atténuer. Donc on va choisir la question C, qui est le taux de sucre augmente, le niveau d'acidité tombe et les raisins gonflent avec l'eau. En fait, il faut juste faire preuve de logique sur chaque question et bien relire les mots-clés à chaque fois. Lequel de ces vins est un vin tranquille, doux et fortifié Donc sauterne, muscat de baume de Venise, le Toquet et le Moscato d'Asti. Premièrement, si on regarde le sauterne, est-ce que c'est un vin tranquille Oui, il pétille pas. Est-ce qu'il est doux oui, le sauterne est sucré et est-il fortifié Non. Parce que le sauterne, c'est fait avec des raisins passerillés et botrytisés, mais il n'est pas fortifié. Donc on élimine. Ensuite, on va le muscat de baume de Venise. Alors le muscat de baume de Venise, est-ce que c'est un vin tranquille Oui. Est-ce que c'est un vin doux Oui. Est-il fortifié Oui. Donc, c'est possible que ce soit cette réponse, on va continuer. Euh, le toquet, c'est un vin tranquille Oui. Est-il doux Oui. Est-il fortifié Non. En fait, le toquet, c'est un peu comme le sauterne ça va être fait à partir de raisins potritisés. Donc, on élimine. Le moscato d'Asti, est-il un vin tranquille euh, Non, c'est un vin effervescent. Est-il doux Oui, il va y avoir un peu de sucre dedans parce qu'ils vont stopper la fermentation. Est-il fortifié euh, Non. Donc, on élimine et il nous reste le muscat de baume de Venise qui est un muscat qui se boit à ses jeunes. Ensuite, question 4. Pourquoi la fermentation malolactique du chardonnay est-elle souvent utilisée dans la vinification Premièrement, pour donner plus de pétillant au vin effervescent. Deuxièmement, pour adoucir les acides et faire ressortir les arômes de produits laitiers. Ensuite, pour faire ressortir des arômes de vanille. Ou arrêter prématurément la fermentation pour faire euh, un vin doux. Donc pour donner plus de pétillant au vin effervescent, on va éliminer. Pour adoucir les acides et faire ressortir les arômes de produits laitiers, c'est fortement possible parce que l'AFML a pour but de réduire l'acidité dans le vin pour euh, donner plus de rondeur hein. et donc évidemment donner euh, plus, enfin donner des arômes... Euh, secondaire de produits laitiers donc c'est fortement possible que ce soit cette réponse c'est pour faire ressortir des arômes de vanille alors non il nous faudrait euh, faire un élevage en fût de chêne français donc c'est pas ça et D arrêter prématurément la fermentation pour faire un vin doux alors la fermentation alcoolique peut se faire en même temps que la fermentation malolactique on peut les faire démarrer en même temps donc la D c'est pas ça et en plus pour arrêter prématurément la fermentation, il y a plusieurs possibilités mais voilà, on peut on peut rafraîchir le vin d'un coup, mettre du soufre. Donc non, c'est pas ça. C'est bien la B. Donc on va donner plus de rondeur et faire ressortir les arômes secondaires comme des, des arômes de beurre. Donc la 5 euh, parmi les régions suivantes, laquelle produit des vins euh, bon marché à partir de cabernet sauvignon Premièrement, le sud-est de l'Australie, Chianti, Pauillac ou Chablis. Donc là, il y a deux mots-clés dans la question les régions produisent des vins bon marché, donc les vins bon marché, des vins pas chers, et euh, le cabernet sauvignon. Le sud-est de l'Australie, il y a du Cabernet Sauvignon. Donc pourquoi pas Chianti, il n'y a pas de Cabernet Sauvignon, c'est du Sangiovese, donc on élimine. Poyac, il y a du Cabernet Sauvignon, donc pourquoi pas Et Chablis, il n'y a pas de Cabernet Sauvignon, donc on élimine. On a le choix entre le sud-est de l'Australie et Pauillac. Faut pas oublier que dans la question, c'est des vins bon marché. Pauillac, rive gauche, Bordeaux, des vins qui sont. T'es quand même relativement cher comparé aux vins du Nouveau Monde ou quoi que ce soit. Donc d'office on va éliminer Pauillac et donc ça va être le Sud-Est de l'Australie, sachant que le Sud-Est de l'Australie euh, produit 95% des vins de l'Australie. Voilà. Et bien maintenant que tu as vu à quoi ressemblaient les questions, tu as la possibilité de t'entraîner euh, au n via un quiz unique sous forme de QCM que j'ai créé spécialement pour les étudiants euh, du Mindset. Et c'est totalement gratuit, je vous mets le lien du quiz ci-dessous euh, dans la description. Voilà, merci euh, pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.